J'ai eu envie de faire quelque chose un petit peu différent à propos d'Angelina Jordan. Et là, je voudrais partager avec vous un moment très court, mais intéressant, où on la voit répéter avec trois musiciens. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment elle se comporte en 2014 à 8 ans. Donc, on va regarder ça ensemble. C'est parti. Intéressant parce que juste là, on avait le sentiment qu'elle était un peu comme une gamine qui fait des dessins pendant que les parents travaillent en attendant de repartir. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que elle a une idée assez précise de ce qu'elle veut. Alors là, c'est incroyable parce que elle fait Summertime, trois notes, et ce qui semblait être une espèce de répétition assez bordélique avec des musiciens qui n'avaient pas l'air plus motivés que ça, avec un endroit pour répéter qui fait plutôt salle de réunion de directeur que salle studio d'enregistrement. Tout d'un coup, instantanément, la magie opère et l'ambiance change quand elle se met à chanter. Vous avez vu le trompettiste qui fait comme ça, tout de suite, ça change tout. Vous avez vu ce geste-là? C'est vraiment, elle a 8 ans, mais c'est la patronne. Voilà, c'est un moment assez privilégié, très court, qui a été capté comme ça, je ne sais pas, avec un iPhone. Mais à aucun moment, ces trois musiciens, bon, un est assez jeune, l'autre, il y en a un qui semble plus âgé, mais ils prennent toujours ce que dit Angelina comme étant
la bonne solution. Ils prennent, enfin, son avis est le plus important des quatre. Et la maman qui est ici à côté, on la voit sur la gauche, elle est juste là comme garde d'enfant, quoi. Dès que Angelina aura fini de chanter, elle pourra redevenir une enfant et sa maman la ramènera. Mais pendant qu'elle chante, c'est une professionnelle qui gère ses musiciens. Et voilà, c'était un moment particulier que je voulais partager avec vous. Ciao, ciao, bye bye.